This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Juan Gonzalez. Rwanda is facing explosive allegations from the United Nations of committing war crimes and possibly even genocide in the Democratic Republic of Congo. A leaked report from the UN High Commissioner for Human Rights says that after the 1994 genocide in Rwanda, Tutsi-led Rwandan troops and their rebel allies killed tens of thousands of members of the Hutu ethnic group inside the Congo. A draft of the report states, quote, the majority of the victims were children, women, elderly people, and the sick, who were often undernourished and posed no threat to the attacking forces. The report goes on to say the crimes committed by Rwandan forces amount to crimes against humanity, war crimes, or even genocide. Rwanda has long claimed it attacked Hutu camps in eastern Congo to pursue those responsible for the killings of over 800,000 Tutsis in the Rwandan genocide. But the report marks the first time the UN has accused Rwandan forces of deliberately attacking the tens of thousands of Hutu civilians who also had fled. The report provides a stark challenge to the conventional history of the period following the Rwandan genocide and the violence in the eastern Congo, which has been the deadliest armed conflict since the Second World War. The U.S.-backed Rwandan government has dismissed the report and has threatened to withdraw from U.N. peacekeeping missions if it's published. There has been speculation the report was leaked to preempt a Rwandan government campaign to alter its findings before its expected release next month. Bonjour, mes chers Congolais et Congolaises. Je m'appelle Kankou, votre ami de Washington. On s'est réunis aujourd'hui, là, le 23. Ici à Silver Spring, pour préparer la manifestation de New York le 1er octobre. Cette manifestation est une manifestation organisée par tous les Congolais. Alors voilà pourquoi nous vous lançons un appel de se présenter massivement pour prendre connaissance du rapport que l'ONU va rendre public et qui concerne tout Congolais. Je suis sûr que cette fois-ci, donc nous sommes tous, comme vous verrez ici, toutes tendances politiques, sociales, société civile confondues, pour que token de la New York, token de Oyamba, nani sorti à rapport à l'ONU. Donc, vous verrez le numéro de téléphone qui sont affichés là. Prenez contact avec nos compatriotes. Tout le monde qui est congolais, nous sommes réunis une fois au moins pour tout sauver, tout soutenir d'abord, sortir un rapport et aussi tout sauver Mbonabiso. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. A North Korean regime that enslaves its own people, or an armed group in Congo, Kinshasa, that use rape as a weapon of war. Mon nom est Révérend Père Mouchipa Izemba Luzolo Adolphe. Je suis venu à la réunion à Bubuyaï le 22 septembre 2010. Je suis venu à New York pour soutenir le rapport de la Bantu Nova Forbeto. Alors, comme les Nations Unies, nous avons eu le parce que le peuple n'a pas de passe. 6 millions de peuples, 6 millions de bâtiments, alors, vous faites quoi pour supporter, vous faites quoi pour soutenir le rapport à New York. Vous avez même un Congolais, nous sommes tous là. Merci, Mingi. Père Mouchipai. Oui, je m'appelle Freddy Monanga. Ben écoute, j'encourage, je demande à tous les Congolais des États-Unis, si possible, de venir nous rejoindre le 1er octobre de cette année, dans quelques jours, à New York, parce que, comme vous le savez, il y a un rapport de l'ONU qui va sortir sur les massacres qu'il y a eu au Congo, le génocide des Congolais, par l'instrument des génocidaires, c'est-à-dire Kagame et son armée. Et donc, nous allons aller pour attendre ce rapport et voir si vraiment ce rapport va dans le sens des intérêts des Congolais. Alors, nous demandons à tous les Congolais de venir nous rejoindre tel un seul corps afin de montrer à la communauté internationale aussi que vraiment, nous Congolais des États-Unis, bien que nous ne sommes pas au Congo, nous souffrons de la situation
que vivent nos frères et sœurs à l'Est. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bah, j'espère que nous serons nombreux pour montrer notre, le fait que nous sommes vraiment concernés par cette situation vraiment catastrophique que vit notre pays. Il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin. Donc, venez vraiment le 1er octobre. C'est dans quelques jours. Nous serons tous là. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas un moment de joie parce que c'est un rapport qui explique les situations vraiment très tristes que vivent nos compatriotes à l'Est. Donc je vous demanderai de venir. C'était Freddy Monanga, j'habite à Washington DC et j'espère vous voir là-bas. À bientôt. Bonsoir, je m'appelle Josette Wakabwanga. Je lance un appel vibrant à toutes les mamans congolaises. Chères mamans, ceci nous concerne. La manifestation du 1er octobre, le rendez-vous du 1er octobre concerne toutes les mamans congolaises. Maman, ceci nous concerne en tant que congolaises. Nous avions été abusées, nous avions été volées. Voici le moment où nous devons nous lever comme une seule personne et aller devant le bâtiment des Nations Unies pour aller recevoir ce rapport qui sera enfin publié. Donc je vous invite toutes mamans congolaises à venir, mes grandes sœurs, mes mamans, mes petites sœurs, à venir ce jour-là, le 1er octobre, à ce rendez-vous très important. Merci. Congolaises et Congolais, nous vous invitons ce vendredi 1er octobre 2010 devant le siège de l'ONU afin de recevoir ce rapport qui enfin va nous donner une piste de travail pour que la mémoire des millions de Congolais et Congolaises qui ont péri suite aux sévices, suite aux viols, suite aux traitements inhumains leur infligés par les armées du Rwanda, Burundi, de l'Ouganda et pourquoi pas celle des rebelles congolais de l'époque, venez ensemble que nous puissions recevoir ce rapport et le lire ensemble pour que nous puissions aller à la prochaine étape qui serait celle de saisir les instances judiciaires. Encore une fois, de tous bords, ceci ne concerne pas un parti politique ni encore moins une tribu, ni encore moins une association religieuse. Ce problème te concerne. Prends un jour off. Appelle un des numéros qui va apparaître sur le bas de cette image. Contacte le responsable de ta ville, que tu sois à Atlanta, que tu sois au Texas, que tu sois à Boston, que tu sois à Raleigh, Charlotte, New York, Connecticut, que tu sois même à Toronto ou bien à Montréal. Mon frère, ma sœur, une seule date, le 1er octobre, ça te concerne, ça me concerne, debout congolais, et retrouvons-nous le 1er octobre, que Dieu vous bénisse. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, le 1er octobre prochain, à New York, les experts des Nations Unies en matière de droits humains vont publier un rapport accusant les troupes armées rwandaises, ougandaises, les troupes de l'AFDL, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des crimes qui peuvent être qualifiés de génocide commis en RDC. C'est pourquoi il est très important pour nous Congolais en particulier et citoyens du monde en général qui suit la politique et qui défend, qui prône le respect des droits humains, de se joindre à nous pour une manifestation que nous organisons par rapport à la sortie officielle de ce rapport le vendredi 1er octobre. Venez nous joindre à nous. Ce ne sera pas pour rien que vous ferez le déplacement, mais vous aurez sauvé des vies. Beaucoup alors. Venez s'il vous plaît.